On frein à main, t'as vu? Ouais, toujours au frein à main. Avec le frein à main. Des hôtels au centre Bruges. Oui. Ici, hein, le François, l'Angleterre, mon compagnon. Devant nous, il y a la petite rue qui continue toujours tout droit, c'est là qu'on trouve le café Vlessingen. C'est le plus ancien café de Bruges de 1515 et l'intérieur là est toujours en compte. Magnifique pour visiter. Hein. Sur la petite rue ici devant nous, il y a aussi un drapeau de Bruges là. C'est là où on compte pas la maison de la crise. Il y a un peu de l'eau, hein. Bon, peut-être de la vodka, je crois pas. Ou du rhum blanc. Ouais. Le café, là, c'est où il y a le drapeau, là, dans la petite rue. Petit café. Je dois connaître parce que tu vois, il dit petit café. Alors, passe le point, gros, je vais passer encore une fois les maisons avec les petits escaliers. Remarquez aussi que les bâtiments sont complètement rénovés. Il y a aussi des bruits qui passent maintenant pour remettre les bâtiments. C'est Bruges, centre Bruges, sous protection UNESCO. Magnifique rénovation partout au centre. Ici à Brox, sur le pain, il y a un petit signe blanc et bleu. Hein. Ça veut dire que la maison est protégée et doit rester originale. Ouais. Normalement, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont la monter là. Pas vraiment de fenêtre, parce que dans le temps, on devait payer des taxes sur toutes les fenêtres pour se remplir la lumière. Incroyable, mais vrai, hein. C'est un petit cadeau de nos familles d'Apollon dans le temps. Vraiment, ouais, je vous passe. Deux exemples là. Au sud de Paris, l'un de l'Amsterdam, ils utilisaient les taxes comme ça. À droite à côté du drapeau là, il y a un petit ours. C'est le symbole de Bruges. Du 19e siècle, toujours en utilisation. Juste rénové, c'est par un B&B maintenant.
C'est un petit souvenir des ondes du coup. Avec leur prix de 4 heures ici. Hein. C'est tout petit maison de thé ici en France. Et puis maintenant devant nous, passe le dépôt, vous allez voir l'ancien palais de justice avec la petite tour de pigeon au-dessus. La pigeon, c'était très important dans le Moyen-Âge pour transférer de l'information. Hein. C'était l'email de du temps-là. Le magnifique bâtiment maintenant, c'est notre hôtel de ville daté de 1608. Aussi magnifique pour visiter. La grande chambre gothique là-bas avec des peintres magnifiques aussi. Un petit musée. Avec l'histoire de Bruges. Comment Bruges a commencé. Et sur le coin, pour les gens qui aiment bien la gastronomie, le meilleur restaurant de l'Europe, je vous donne 150 meilleurs restaurants, c'est le 55, ça s'appelle Bruges. C'est l'hôtel de ville. Oui, oui. Vous voyez bien la petite tourelle de Bruges maintenant. À gauche, presque tous les jours, à l'arrière du marché de poissons, il y a une petite galerie d'art là. Tous les artistes, il y a aussi des peintres, des bruges. Des souvenirs. Avec le bois, c'est le plus ancien hôtel de Bruges du 17e siècle, c'est le 3 000 plus. Il y avait un grand feu dans le temps, dans l'hôtel, mais ils ont complètement rénové en état original. Magnifique. Le 3 000 plus. À gauche de l'hôtel sur le coin, maison espagnole, il y avait des généraux qui vivaient. C'est un paradis pour ceux qui aiment bien les bières. On a peut-être 3 600 bières belles, alors il faut mieux commencer. Et nous sommes arrivés. Magnifique, hein, sur le point. Ouais, avec le soleil et puis... Les Alpes, elle était encore vivant. Alors les Italiens, pas trop. Pas de petites terrasses là, Alors ici on a un petit instant magnifique vue pour photo. Ah, c'est la brocante, c'est le nom. C'est là qu'on est capable de faire des millions de briques dans Notre-Dame. Ici, il y a aussi la brique sous le programme.
entendu en ah ouais.